Dans les faubourgs d'Oulan-Bator, la capitale du pays, en ce lumineux jour de printemps, les missionnaires de la Consolata célèbrent l'anniversaire des 20 ans de leur installation en Mongolie. Ces pères et sœurs venus du monde entier répondent à un appel lancé en 1901 par le père italien Joseph Alamano à accompagner l'annonce de l'Évangile par les jeunes églises sur tous les continents. Et la petite famille de l'Église catholique mongole est réunie autour de son chef, le jeune cardinal Marengo, lui aussi membre de la Consolata, pour un moment de grâce et d'allégresse. Il y a 20 ans, ces jeunes missionnaires ont découvert un immense territoire à la longue histoire, enclavé entre les deux géants que sont la Chine et la Russie. Ils ont appris à supporter l'un des climats les plus rigoureux du monde, à évoluer dans ce pays vaste comme trois fois la France, dont la densité de population est la plus faible du monde, et dont presque un tiers de la population a conservé le style de vie nomade de ses ancêtres. Ils sont allés à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, accueillants et curieux de tout, que l'histoire a isolé du reste du monde. Et pourtant, quelle étonnante histoire fut celle de ce peuple singulier. Le nom même de Mongol fit résonner pendant des siècles le fracas des conquêtes et des massacres dans les consciences de la Pologne à la Corée, de l'Indonésie à la Turquie. On se souvient des Huns d'Attila, mais surtout du plus grand empire d'un seul tenant qu'ait connu l'histoire, quand au début du XIIIe siècle, les Mongols s'unirent sous l'autorité d'un homme d'exception dont le nom était Gengis Khan, l'empereur océanique. Excepté à ses extrémités, le Japon et l'Égypte, nul ne fut en mesure d'opposer de résistance à leur déferlante. Pendant 150 ans, l'Asie vécut sous leur autorité et une paix civile inédite succéda aux horreurs de la guerre. Cette paix sécurisa les échanges entre les mondes par la route de la soie, dans un climat de tolérance religieuse absolue où coexistèrent les religions d'Extrême-Orient, bouddhisme, taoïsme, celles d'Occident, islam et christianisme, avec les religions traditionnelles des peuples de la steppe. Des voyageurs européens envoyés par le pape, comme Jean Plan de Carpin ou le franciscain Guillaume de Rubruck, ont rapporté des témoignages très précieux de leur séjour dans la capitale de Karakorum. Noi abbiamo dei reperti archeologici che ci dicono che la fede cristiana, soprattutto nella sua versione siriaca o nestoriana, era praticata, conosciuta qui in epoca antica. E questo ci fa anche dire che ecco, il cristianesimo non è una religione straniera che è arrivata qui a un certo punto in epoca moderna, ma è una tradizione religiosa conosciuta in antichità. È interessante ed è utile e importante riferirsi a questo passato. Quand les parties de leur empire se furent effondrées l'une après l'autre, les Mongols revinrent habiter leurs terres et reprirent leur mode de vie ancestral sous la surveillance continuelle de l'Empire chinois. En 1640, un prince mongol descendant de Gengis Khan, Zanabazar, fut reconnu comme la réincarnation d'un grand saint tibétain. Son génie protéiforme lui permit d'adapter le bouddhisme au caractère de son peuple, à ses traditions, et à créer une religion nationale, sœur du bouddhisme tibétain. La Mongolie devint alors une forme de théocratie bouddhique et les autres religions furent peu à peu éliminées. Du XVIIe au XXe siècle, la Mongolie ne fut plus qu'une province pauvre de l'Empire chinois
conquis par leur cousin mandchou. À partir du 19e siècle, les missionnaires européens, notamment les Belges chœutistes du Cœur Immaculé de Marie, fondèrent leurs premiers établissements en Mongolie intérieure. Ci fu un interessamento dei gesuiti, di francescani e poi di lazaristi francesi e CICM alla componente mongola del grande impero cinese. Per cui abbiamo diversi, è interessante leggere i diari dei missionari lazaristi dell'Ottocento che avevano fatto dei tentativi di esplorazione di questi territori. En 1911 cependant, à la faveur de la révolution chinoise, une vaste moitié de la province de Mongolie se déclara indépendante, sous le règne du chef religieux Bogdo Khan. C'était la Mongolie extérieure, en opposition à la Mongolie intérieure, qui demeura une province chinoise. La Mongolie était passée sous contrôle russe et devint en 1922 le premier État socialiste en dehors de l'Union soviétique. La statue du héros de la Révolution, Sükhbaatar, trône toujours au cœur de la grande place centrale d'Oulan-Bator. Cet engagement précoce dans le bolchevisme vaudrait à la Mongolie un traitement économique et social privilégié. Elle serait une vitrine du socialisme où l'illettrisme serait combattu avec succès. Elle aurait aussi à subir le cortège habituel de répression politique et surtout religieuse. Le bouddhisme et les religions traditionnelles furent physiquement éradiqués au prix de milliers de morts et l'athéisme fut la doctrine obligatoire. Le culte de Gengis Khan lui-même, ramené au rang d'un simple oppresseur féodal, fut sévèrement découragé. Entre 1989 et 1992, la Mongolie prit le train des républiques soviétiques et des pays satellites de Moscou pour reprendre sa liberté et se constituer en authentique démocratie. Son principal souci devint de maintenir un équilibre entre ses deux voisins géants. La liberté de culte fut assurée, le bouddhisme prit un nouvel élan et les missions étrangères, protestantes et catholiques, pénétrèrent dans un pays qui ignorait tout de la religion. Gengis Khan et ses fils sont redevenus les esprits tutélaires d'une nation qui s'est pourtant résolument engagée dans la paix. Ces casques bleus des Nations Unies sont respectés partout dans le monde et seuls les rassemblements paisibles de motards rappellent les anciens cavaliers. Aujourd'hui, dans un pays dont les sites inviolés, avec leurs troupeaux et leurs pasteurs, rappellent les commencements du monde, l'Église catholique de Mongolie annonce l'Évangile à un peuple qui ignore tout de la foi chrétienne et la découvre comme une nouveauté, apportée avec tant d'autres par la démocratie. Les fondations de cette Église missionnaire et cosmopolite, partie de rien, ont été élevées par l'évêque Venceslao Padilla, mort en 2018. Il fut très aimé de ses ouailles et sa mémoire est toujours présente dans les cœurs. Yes, he was one of the first three missionaries came into Mongolia in 1992. He was a Filipino and he was very touching to everybody in Mongolian church. He cares about all the children and the elderly. Everybody, the young people, especially the younger ones, he was very caring to us. Until now,
We still miss him very much. Especially the local Mongolians, they treat him as if he's the real grandfather. So they call him Owo, which means grandpa. You know, he was with him for so long. He is a really good example for us of, you know, putting our faith into action. La sua testimonianza continua nel fatto che lui è sepolto in terra mongola. E ricordo che una catechista, quando diede una catechista mongola, quando diede una testimonianza, disse: lui adesso è diventato polvere della nostra polvere, terra della nostra terra. Si è mescolato così profondamente a noi da diventare parte della nostra terra. E questo è un segno grandissimo e ci fa pensare come si evangelizza con la vita ma anche con la morte. Après la mort soudaine de Monseigneur Padilla, c'est à Giorgio Marengo, missionnaire italien de la Consolata, de poursuivre l'édification d'une église catholique en Mongolie. Il se souvient des premiers moments passés dans cette terre inconnue. Un'impressione che secondo me, quando ho poi riletto il diario di Guglielmo di Rubruck, corrispondeva esattamente alla sua, cioè di essere arrivato in un altro mondo, ma in un senso positivo, in una realtà molto particolare, unica, diciamo, molto originale, questo sì, a cominciare dai suoni, dai colori, dagli odori, dalle persone. Ces gens, les Mongols, ont une forte identité et sont imprégnés des valeurs du nomadisme. When the Mongolians, they are proud to be Mongolians. Even the small children, they are so proud to be Mongolian. And they have expression in Mongolian saying, "Be Mongolian, I am a Mongolian." Even when they are small. La famille occupe chez les Mongols un point vraiment central. C'est pour cela que, comme Africain, je n'ai pas eu de difficulté à m'intégrer dans la culture mongole. Parce qu'on voit ça chez eux, très tolérant, hospitalier et chaleureux et vraiment attachant. Somebody told me, when you go to Mongolia, be careful because they do not like Chinese. But in fact, I came here, I didn't feel anything like that. La Mongolie est reconnue comme un pays hospitalier. Mais bon, avec, quand vous allez dans des milieux où les gens sont encore plus ou moins nomades, ça se voit très bien, cette hospitalité-là. Bon, maintenant, dans les grandes cités, avec la sédentarisation, ce côté-là un peu boite un peu. L'hospitalité devient quelque chose à remettre en question un peu, plus ou moins. Mais, puisqu'avec la sédentarisation, les gens ont tendance un peu à vivre entre familles un peu. Bon, je ne peux pas dire individualistes, mais ils sont un peu. Se retirent un peu à vivre, ils ont tendance à vivre en famille, papa, maman, les enfants, cette tendance-là. And also the influence of Buddhist religion, they are not violent. Okay, someone gets angry, that is always normal to any in the society. But nationally, they are really peaceful, calm. C'est un peuple très intelligent. Dans le classement mondial du quotient intellectuel, des pays au grand quotient intellectuel, la Mongolie occupe le 10e rang mondial. C'est pour cela qu'ils n'ont eu aucune difficulté à maîtriser, à s'approprier l'outil informatique, Internet et tout ce qui va avec.
si sta riscoprendo questa tradizione bellissima, originale, che come è conosciuto caratterizzava i mongoli, che è questa tolleranza interreligiosa, questo approccio alle religioni come a un elemento fondamentale della società, anche in un pluralismo. In Mongolia diverse religioni mondiali come il buddismo, il cristianesimo, l'islam, il taoismo e anche le religioni tradizionali legate allo sciamanesimo erano compresenti, tutte sotto diciamo così, il controllo e nel rispetto di una legge comune, che era una legge civile, chiamiamola così, che però permetteva la coesistenza di tradizioni religiose diverse. Quindi questo è un dato dell'identità mongola molto bello, che sarebbe da valorizzare e che oggi, nella Mongolia di oggi, credo che si stia riprendendo e riattualizzando. Le clergé de cette église de 1500 fidèles pour 3 millions d'habitants est essentiellement international. Il ne compte pour l'instant que 2 prêtres mongols. 22 nationalités de tous les continents et 11 congrégations sont présentes. Est-ce là une force ou une faiblesse? Je dirais que c'est une ressource, comunque, parce qu'elle aide aussi nos fedeli mongoli à percepire l'universalité de la Chiesa et le fait que coloro che si sono consacrati al Signore per annunciare il Vangelo provengono da esperienze, culture, tradizioni diverse. Questo è un gran segno di universalità. That is exactly the Catholicism. That is the meaning of Catholic. Yeah, we are not bounded by a certain area, a certain country. It's really a church for everybody over the world. Sometimes if our young people, they will also be surprised. How comes that you coming from different country, you can stay all together? Do you have any conflict, cultural shock, cultural conflict? That is a time for me to catechize them. Yeah, to present them a certain phase of the church. During the Mass, the Sunday Mass, actually, it's like a UN meeting. We have Indonesians, Malaysians, Filipinos, Koreans, Mongolians themselves. And this is more of us, actually, Jesus Christ fueling the unity among us missionaries to continue to do the mission for the Mongolian people. L'identité de la Mongolie, très forte, est liée au bouddhisme et aux traditions chamaniques. Cela induit un rapport au surnaturel qui peut parfois dérouter un regard occidental. They also have faith. For example, they believe there are spirits. They believe on the blue sky. This traditional belief. Also going to the mountain, you know, Jesus also he went to the mountain. Many prophets they went to the mountain to pray, to have that God is talking there and alone, and the feeling that the presence of God. Mongolians, we are very deep spiritual people, and then when you go to the countryside, people pray. It's very, we are more close with the nature, we're more close with the something that we believe, and the modern way that some people we may lost our that sense. But ordinary people, no, they don't bother so much about religion, only when they need something to be prayed for, they will go to the monk to ask something. Things happen, they will ask the monk what we will do.
That's all. The pertinence of the mission here, it is like starting from zero again. And to have that idea of going there and laying the first foundations of the Catholic Church here actually gave me the sense of I want to go there. L'église de Mongolie a noué très tôt des relations cordiales avec le clergé bouddhiste et a accompagné en 2022 le supérieur du monastère de Dashoilin lors d'une rencontre avec le pape François au Vatican. Nella Mongolia dal 92 in avanti c'è stato la necessità di un riconciliarsi con questo passato recente in cui la religione aveva rappresentato un elemento di pericolo, di rischio in questa società è quanto mai importante per persone come noi che rappresentano una tradizione religiosa darsi del tempo per riuscire a creare queste relazioni di fiducia reciproca. Cette église naissante coexiste avec une église orthodoxe elle aussi peu nombreuse et surtout avec l'univers des églises protestantes considérablement plus étendu. Sicuramente il rapporto esiste ed è anche positivo. Soprattutto con le chiese evangeliche nate dalla Riforma, quelle più tradizionali. Ieri ho fatto un incontro con i responsabili della società biblica mongola, che rappresentano un impegno molto significativo perché hanno offerto a tutte le denominazioni cristiane il testo della Bibbia in lingua mongola. Stiamo collaborando con loro per arrivare ad avere anche una versione cattolica con i libri deuterocanonici, per cui c'è un rapporto direi molto costruttivo, molto bello. Avec les églises évangéliques, le dialogue est moins structuré. Celle du Verbe divin a été créée il y a 25 ans par un pasteur mongol qui préside aujourd'hui un groupe de 100 églises à travers le pays. For the most of Mongolians, the Christianity is a foreign. Yeah, it's a foreign. Christianity is quite different culturally, and it's very different than Mongolian culture. That it's not easy for Mongolians to adopt Christianity, yeah, Christian faith. It's really important to have a local pastor who can speak their own language, who can experience that same culture, same mindset, and to help. Help Mongolians to be the disciple of Christ. We do have some friends who are Buddhist, who are Catholic, and who is Orthodox. We do have friends, but we are not quite, you know, close to each other. We don't have kind of, you know, regular meetings or regular relationship. The people think that all the Christian religion is Jesus, and they are all same. Which is the Protestant, which is the Catholic, which is, of course we are one. Mm. We are all Christian, mm. But at least there is a different ways. Mm. So, but they don't distinguish it. People think that people go to the church
they are poor, and they are very Buddhist, and so that they go to the churches. They have that kind of the idea in the social society of Mongolia. Ce que je constate dans la société ici, il y a toujours tendance à créer des classes sociales. Ça veut dire quand quelqu'un est par exemple un docteur, un PhD, il ne se sent pas toujours à l'aise avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau que lui en termes d'études ou en termes de revenus. Les gens, ils viennent à l'église et parfois quand ils ont de bons emplois, ils ont de bons salaires, ils changent de statut social, ils ont tendance à se retirer, de plus venir se rassembler avec tous les pauvres avec lesquels on s'est rassemblés quand on était à leur niveau. Et être chrétien, ce serait comme une trahison à la culture, à la tradition du pays. Alors, c'est facile pour, par exemple, un Mongol qui est bouddhiste de mettre la statue de Bouddha dans son bureau de travail que de trouver un chrétien mettre une croix dans son bureau. C'est très difficile. Les missionnaires doivent aussi tenir compte d'un contexte mental très différent du leur. Une sorte de pragmatisme religieux qu'il faut vaincre dans l'esprit des catholiques locaux. Quand quelqu'un a encore cette mentalité du bouddhisme, par exemple, il vient à l'église, il aura toujours tendance à attendre qu'il ait un problème pour partir à l'église. Et à ce moment-là, il pourra parler au prêtre pour que le prêtre prie pour lui. Mais sinon, lorsqu'il comprend que dans l'église chrétienne, dans l'église catholique, ce n'est pas le cas, tu peux aussi parler à Dieu, tu peux avoir des moments de prière personnelle. C'est quelque chose vraiment sur lequel il faut insister beaucoup ici chez nous. Les gens doivent comprendre que tu peux avoir des moments de prière personnelle, tu vas à l'église même sans le prêtre. La fede non è un'assicurazione sulla vita. La fede è un rapporto vivo con la persona viva di Cristo. La fede non necessariamente mi evita la sofferenza, ma mi invita a viverla a una dimensione più profonda, perché il nostro Signore è morto sulla croce per noi, ma a vivere la sofferenza a un livello diverso, un livello di fiducia, di abbandono. Pour les Mongols, l'image pour nous si familière de la croix est un objet d'étonnement et presque de malaise. Some people they came to the church, but they see the cross is very different. But some another Mongolians when they come to the church, they first ask the cross, what's that? Why this there is in the center of the church? Ricordo un'estate venne a trovarci una signora con un bambino, credo di 10 anni. Una signora credente in Cristo, ma no, non cattolica, che veniva dalla campagna. E quando entrarono e videro il crocifisso, la signora fece un inchino, ma il bambino si coprì la faccia, con un senso di paura. Però ricordo che la nonna disse al bambino, non fare così, tu un giorno capirai. Allora mi ha fatto venire in mente le generazioni di cristiani che si sono succedute dal giorno di Pentecoste a oggi, quando il cristianesimo ha incontrato nuove culture, sicuramente il segno della croce è stato un segno di scandalo, di provocazione. Come fa a essere credibile un Dio che muore sulla croce? Les pouvoirs publics de Mongolie encadrent le prosélytisme de manière claire, mais assez stricte, qui rencontre le désir de l'Église de laisser les personnes venir à elle. The mission is not actually to convert them frontally. It is to be with them and hoping that the Holy Spirit will touch the heart of the people through living with them, through showing them by our lives, by our way of living, what Catholic faith is. And we have already experience of that here in our church. We have several livelihood programs and some of those Mongolians who are now baptized and coming to our church are coming from that. They felt that, what are these people doing actually? Why do they care for us? Why do they came here? These foreigners came here to our land and come here and care for us, teach us things, give us some life, give us some hope. What do they have? And that actually wonder lead them to discover Christ. And that's basically how we try to do the mission with them. We are not supposed to talk about religion in the school. So the main target is to teach them to become an honest person, an honest citizen. Sometimes when the students, they ask me about religion, I will talk with them. And for those who are
who show their interest, I will introduce them to the parishes so that they can study the catechesis here in the parishes, but not in the school. Ici, la notion d'inculturation prend tout son sens. When we even tell them a Holy Spirit, they will tell you there is no Holy Spirit because Holy Spirit is bad. So you cannot, how will we then explain to them that there is a Holy Spirit? We have a Holy Spirit who is guiding us always and all these things. C'est vrai que vous croyez dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de divinités. Parfois, ils croient dans des statues, des arbres. J'ai vu même des gens prier, s'adresser à un arbre. J'ai vu moi-même, ouais, avec des tiges d'allumettes, ils font des cérémonies, s'adresser à un arbre. Donc, cette ouverture-là nous permet maintenant de leur parler de Dieu, pour leur dire, en réalité, les arbres sont des créatures. Mais il y a quelqu'un qui a créé cette créature. Il existe. C'est les dieux que nous sommes venus vous apporter. But one thing that is very, very near to the hearts of the Mongolians is actually the shepherd, Jesus Christ as a shepherd, because they themselves are nomads, they themselves are shepherds. They are all vulnerable like the sheep if the shepherd is not there. And that is how we enter also in the way they understand our Catholic faith. Christ is here for us, shepherding us like you are shepherding actually in the wilderness. Discovering that I cannot tell theological realities to the people here because they will never understand, will bring me actually to the basic of my faith, will bring me to the basic of my experiences. Why I am here, why I become a priest, why I left my country and come here in Mongolia, why would I spend my life trying to present to them who Christ is. Monseigneur Marengo a fait sienne la formule de l'évêque indien Thomas Menanparempil, selon laquelle la mission consiste à murmurer l'évangile à l'âme de l'Asie. Sussurrare è un atteggiamento che presuppone un rapporto di amicizia tra persone, non si sussurra alla prima persona che si trova per strada, ma si sussurra qualcosa di prezioso a una persona che si ritiene amica e con cui c'è una profonda intesa. E questo implica da parte nostra dei missionari un grande cammino di conoscenza, di approfondimento continuo di quali sono le dinamiche del cuore mongolo e entrare in una profonda empatia con questo popolo per essere in grado poi di offrire quello che abbiamo, che è il dono del Vangelo. Au sein de l'Église de Mongolie, les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, CICM, ont joué un rôle pionnier et méthodique par une action continue et multiforme. CICM est présent en Mongolie depuis 1992. Lorsque le pape Jean-Paul II a demandé à la congrégation de s'occuper de ces terrains missionnaires, de ces territoires missionnaires. I always joke to some people that we are the Marines of the Catholic Church because we are sent first. We are opening missions, and that is our mark actually in our congregation. De la présence de ces missionnaires belges en Mongolie intérieure au XIXe siècle, le CICM a hérité un patrimoine scientifique inestimable, qu'elle complète aujourd'hui au sein d'un organisme qui porte le nom du plus fameux d'entre eux, le linguiste Anton Mostar. Lorsque vous parlez des sciences de la langue mongole, que ce soit au niveau des linguistes ou de la littérature et même de l'histoire mongole, notre centre de recherche a une avancée. Nous avons 11 000 livres que nous mettons à la disposition de ceux qui veulent bien faire de la recherche. Le CICM a joué un rôle éminent pour secourir les enfants abandonnés qui s'étaient réfugiés l'hiver dans les tranchées des canalisations d'eau chaude. Le centre des enfants de la rue, qui est comme une vitrine de CICM Mongolie, a été créé par un Africain. Donc il est arrivé tout jeune et déjà il... comme en Afrique, quoi. C'est-à-dire qu'il va dans la rue, il se promène, il cause avec les gens. C'est comme ça que, voilà, il attire à lui les enfants de la rue. Il les remarque et il en fait des amis et ce sont devenus ses fans. Ce sont devenus des fans à lui.
au point où malheureusement, le jour où il est mort, beaucoup d'enfants de la rue n'en revenaient d'ailleurs pas et ils sont allés l'attendre à l'aéroport, attendant que son corps revienne en Mongolie, parce qu'il était mort à l'étranger lors d'un séjour à Hong Kong. Et donc de là, avec son apport, nous avons donc décidé d'organiser un peu cette activité-là en créant ce centre pour les orphelins, disons. Pas seulement les enfants de la rue, mais aussi les orphelins, les enfants délaissés par leurs parents. En été, les enfants sont envoyés à la campagne dans un camp d'été moins confiné que l'orphelinat. When you look at these children, it's like all of the difficulties here is gone, because when you play with them, that happiness, you cannot find it in other places probably. Энэ төвдөө яг сэтгэлзүйчээр ажиллаад нэг жил болж байгаа маа. Зарим C'est difficile de ne pas s'attacher parce que de temps en temps on est en contact avec eux et dans notre travail on doit être proche avec eux parce qu'on ne peut pas gouverner les gens qu'on ne connaît pas, c'est ça. Donc on doit se rapprocher mais ce n'est pas trop s'attacher. We just play with them. We don't come to teach the religion directly, but little by little what we are doing is maybe with our presence, they will know one day these guys are belong to the Catholics and the followers of Christ. Beaucoup de temps c'est fatigant, honnêtement. Mais comme tu vois l'enfant quand il sourit, la fatigue est partie parfois. Comme dans de nombreux pays auparavant, une mission privilégiée de l'Église est de faire émerger une élite locale. Nous les accompagnons au début. Après, on leur laisse faire aussi. Et après, par après, on observe. Et je dois dire que c'est ça un peu qui est notre marque distinctive. C'est-à-dire que former l'élite locale. Cécilia travaille aujourd'hui comme responsable de la communication de l'Église mongole. Elle fait partie de ces jeunes chrétiens dont le père Hervé avait remarqué le potentiel. Father Ernesto and Father Hervé, they sent a few girls to study in the Philippines to get some information about the spirituality and the catechism, etc. So he allowed me to send to the Philippines
to study English, and then also the pastoral leadership formation. And I spent 2 years in Philippines to study English and formation. Le père Hervé est aussi musicien professionnel. Il a pris en charge l'apprentissage de la musique par des enfants, dont il espère faire les membres d'une chorale. Il aimerait qu'il contribue plus tard à créer une musique originale pour la liturgie mongole. Parce qu'on a constaté que les enfants des chrétiens n'avaient pas le même engouement à aller à l'église comme leurs parents. Donc en général, quand ils vont à l'église, il y a des groupes à l'église, il y a des chorales, il y a les musiciens. Donc c'est aussi, ils pourront aussi aider dans ce domaine-là, quand s'ils le voudront bien. Et ça prendra du temps, donc on aura au moins 3 ans à travailler ensemble. Et je pense que pendant ces 3 ans-là, quelque chose de bon pourra sortir. Dans sa grande tradition missionnaire, l'Église investit beaucoup d'énergie et d'espoir dans la jeunesse du pays. They stay here whole day, but they feel also like we are family, like a family. They eat food, they sleep, everything that we have, we provide. Now we help them also some to go to school, and I give what I have. Playing and being together and close to them, this is the way that I am called to live. Les ressources naturelles du sous-sol de la Mongolie sont considérables et leur exploitation enrichit déjà le pays. Mais pour les nomades qui se sont sédentarisés dans les villes, la vie est souvent difficile, surtout l'hiver. There is this poverty of really sustaining their family, how to live. But they are not regretting or they are not feeling burdened. But their life is very simple. That simple life, though they are poor, with what they have, they are happy. For this 6 months, many people who doesn't have permanent job, they go to camps, they get money, construction. But during winter, you can't go to the construction sites unless internal finishing. Though the government gives some initiatives, it's not enough. And this poverty is coming more in town more than the countryside. Tout Mongol vous dira que ça va mal dans le pays, on vous parlera de la pauvreté. Je vois qu'il y a toujours des choses qui se changent, de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments. Je vois comment la Mongolie a fait un saut vers le monde numérique sans transition. Donc, une pauvreté, oui, mais peut-être à un certain autre niveau dans le futur. Et même maintenant, je vois déjà une certaine pauvreté au niveau du sens de la vie, dans le sens que le modèle capitaliste qui est proposé, c'est ce modèle que je vois proposé, ce qui risquera d'appauvrir l'homme, c'est-à-dire on a ouvert les vannes aux emprunts bancaires à outrance. Dans sa paroisse d'Arvaillère, à 500 km de la capitale, le père Dieudonné fournit une école primaire aux enfants déshérités, quelle que soit la religion de leurs parents, mais aussi un atelier de couture aux femmes indigentes et un service inattendu. Dans notre zone ici, c'est pas toutes les familles qui ont
des douches, les endroits pour prendre bain, vu la difficulté du climat, mais aussi parfois aussi peut-être la difficulté d'avoir de l'eau dans chaque famille. Alors pour aider, pour donner notre contribution à cet aspect, on a dû construire des douches publiques. Le Père Dieudonné appartient aux missionnaires de la Consolata. Pour les 20 ans de l'installation de cette congrégation en Mongolie, le Père Peter, un prêtre coréen supérieur pour l'Asie, a offert à la paroisse une statue originale de Marie consolée et consolatrice. Beatissima Virgine Maria, Madre del Signore nostro Gesù Cristo, e ti concedi che chiunque amerà venerare ed onorare con suppliche. Appartenir à une jeune église est stimulant, mais pourrait décourager dans un monde où la quantité est si souvent valorisée. Le christianisme n'est pas une question de démocratie, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'engagement, même individuel, même dans votre petit coin seul. Vous pouvez témoigner du Christ, vous n'avez pas besoin du nombre pour témoigner du Christ. Il y a une petite église vivante, là où elle est, qui témoigne du Christ dans la toute simplicité. Et pour moi, je pense d'ailleurs le contraire, c'est une chance. Parce que l'église s'est toujours développée à travers les minorités. Et c'est comme le grain de moutarde. Et comme c'est écrit dans la Bible, planté, il devient un arbre, là où même les oiseaux du ciel viennent se cacher et faire leur nid. C'est dans cette petitesse, dans cette minorité, que Dieu fait comprendre que sa grâce est suffisante à ceux qui croient en lui. Non? La grâce ne vient pas toujours dans la grandeur, surtout dans la petitesse. Cette germination du grain de moutarde de la parabole, qui peut mieux l'incarner qu'un jeune prêtre mongol? Тэгээд систрүүд хэрхэн амьдарч байсан тэрхүү нөхцөл байдлыг өөр нэр да яг харж үзсэн. Тэгээд систрүүдээр дамжуулаад би бас одоо сургуульд суралцах тийм бас боломж өгсөн. Тэгж байж дараа нь Father Kim бас одоо Монгол 2000 онд ирж байсан. Тэгээд 2003 онд тэрхүү сүм үүсэн байгаа. Тэгээд бид нэр ер нь 2000 оноос ахуулаад бас шашны одоо юу хичээл яа ер нь одоо сурдаг байсан. Тэгж байж байгаа илүү одоо бурханд итгэж эхэлж байна. Би бол одоо 2003 онд одоо тэр хаан улсын дээр анхны ариун угал хүртэжсэн одоо тэгээд усан баптизм буюу ариун угал хүртэжсэн хүмүүсүүдийн нэг. Тэгээд тэр шүн нь бол би одоо яг Тэнгэр бурхны дуу хоолой сонсож байсан. Мөн бас би одоо манай систрүүд болон Father Kim мөн бас бусад missionaries те яг шашин дээр төрөгчдийн ингээд уулзаад ирж яхад ялангуяа Father Kim-ийг би гайхдаг байсан. Солонгос хүн мөн бас систрүүд гэсэн гадаад хүн. Тэгээ энэ одоо Монголын одоо нөхцөл байдал бол хүндхэн. Одоо зөв бас амргүй бүр 90-ийн доонд бүр хэцүү үе байсан. Тэр үед яагаад Монголын үедээ сонгосон юм бэ? Яагаад та нарт манай Монголд ирсэн юм бэ гэж асуух үед надад зүгээр загалмайг л зааж өгчээсэн. Загалмай буюу одоогийн бидний итгэж байгаа Тэнгэр бурхан. Тэ? Би Есүс Христэс болоод Монголд ирсэн гэ. Тэгээ би хөөхтэй болсон бодсон. Тэр хин юм болоо гэ. Тэгээд ярда бодож явсаар байгаа. Одоо түүний дуудлагыг хүлээн аваад одоо юу санаартан болоод ингээд бас энэ хөө санаартны амьдралаар амьдрахын тулд хичээгээд явж байна. Тэгээд ер нь бол одоохондоо бид нар ил Монгол дахь католик шашин гэж байгаа. Тэгээд энэ үрд нэр томьёо мөн одоо солигдох юм бол Монголын католик шашин одоо болох үед одоо яг одоо Монгол дээр санаартан нууд бас олон бий болоод бас Монгол одоо ёс хамлам тий одоо тэр тийм үед цаг үе ирсэн үед л монгол дахь биш тий монгол дахь гэсэн ямар нэгэн юм дотор байгаа гэдэг хэлж байгаа. Харин монголын гэдэг шиг юм ер нь одоо нийтлэг тий манай монголын одоо нийт нь ёо хамарсан тийм одоо хүрээг одоо нэгтгдэг учраас тэхинд бол бид нар тодорхой хэмжээний цаг хугацаа хэрэгтэй болох байна. Credo che quella dimensione di periferia che sta molto a cuore al Santo Padre
offra alla Chiesa universale la bellezza di confrontarsi con una Chiesa che appunto vive in una situazione di marginalità, non solo di minoranza, ma proprio di marginalità nella società, che però non è vissuta con un senso di depressione o di mancanza di qualcosa, ma come un dato di fatto che ci riporta tra l'altro all'esperienza primitiva della Chiesa, quando le prime comunità cristiane rappresentavano anche loro una piccola minoranza in società largamente diverse con altri punti di riferimento. E questa esperienza ecclesiale noi la viviamo oggi nel XXI secolo. Magari pensando anche all'esperienza di Chiesa che stiamo vivendo in Europa, dove c'è un senso di smarrimento, un senso di insoddisfazione, di sconfitta, che a volte ci tarpa le ali e ci impedisce di vedere che Cristo risorto è presente, laddove due o tre sono riuniti nel suo nome, e ci spinge nel mondo a continuare la missione universale di annunciare il Vangelo.